Il est 7h à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des populations. Un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous. C'est le thème retenu pour cette année et le ministre du Plan a adressé un message à la population. On l'écoute. Le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la population sur un thème d'actualité portant sur les questions de population et de développement. Depuis 1990, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de pérenniser cette journée en souvenir du 11 juillet 1987, date à laquelle la population mondiale avait franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Mes chers compatriotes, le thème retenu en 2022 pour la journée mondiale de la population est « Un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient ». Exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous. Je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité de nous prémunir des problèmes démographiques à venir, mais surtout rappeler l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo sur les options stratégiques, mettre en œuvre sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de couverture santé universelle. Ce programme permettra d'améliorer la prise en charge des groupes vulnérables, des femmes enceintes, des accouchements et des soins aux nouveau-nés à travers le pays. Je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour exprimer aux partenaires techniques et financiers et plus particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la population, les remerciements du gouvernement pour leur appui dans la prise en compte des besoins des femmes et des enfants et lancer un appel à tous les acteurs du développement pour investir dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la planification familiale, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que l'amélioration du système statistique national. Et puis, dans la province de l'Ituri, la province va disposer enfin d'une résidence officielle pour le gouverneur. Les débuts des travaux de ce bâtiment ont été annoncés et les responsables de l'entreprise IOB ont échangé avec le gouverneur militaire de cette province. Reportage. La province de l'Ituri sera dotée d'une résidence officielle du gouverneur, une œuvre de l'administration militaire. Les travaux de construction de ces bâtiments seront incessamment lancés par IOB, une entreprise congolaise. Ce vendredi 8 juillet, des représentants de la dite entreprise ont échangé avec les gouverneurs militaires après une visite du site où sera érigée cette résidence, non loin de la maison de la femme. Arrivé ici, nous avons déjà rendu visite de cette résidence, de cette concession où la résidence sera construite. Et nous avons vu même toutes les bornes de cette concession. Et ce qui reste maintenant pour nous, c'est de prendre 4 semaines, c'est-à-dire un mois, en vue de parvenir à faire la conception de la maquette que nous allons implémenter sur cette résidence en termes de construction de la résidence de l'autorité provinciale. IOB, une entreprise appartenant à un digne fils de l'Ituri. Mais que fait-elle exactement? Jemima Munandi, sa chargée de ressources humaines, explique. Une compagnie, une organisation de construction basée au Congo, à Durba, et donc avec différents endroits au Congo. IOB est une grande compagnie qui a commencé depuis 2009. Et du coup, IOB travaille en partenariat avec Kibali. Donc, par rapport à différentes expériences dans des constructions, IOB est beaucoup plus dans, par exemple, comme c'est un deal maintenant, si vous décidez et vous aimeriez que IOB puisse travailler dessus, ça dépendra du contrat que vous aurez. Et après, il pourra faire ce travail-là. Disons-le, les actions menées par l'administration militaire pour la pacification de l'Ituri et le développement ne cessent de susciter de l'espoir pour de meilleurs lendemains. En plus des efforts pour restaurer la paix et l'autorité de l'État,
le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le truchement du lieutenant général Luboya Kachama Djoni, est déterminé à doter l'Ituri des infrastructures à la hauteur de sa richesse. Le président national du mouvement de solidarité pour le changement est en croisade d'armement patriotique à Kinshasa, une campagne qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Laurent Batumona entend ainsi sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée et demander à la population congolaise de soutenir les FARDC. La croisade d'armement patriotique a débuté le samedi 9 juillet 2022 à Yolo Sud. On écoute, on suit cela dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Le Toré et Concart, à Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, a été pris d'assaut ce samedi 9 juillet 2022 par des militants, toutes tendances confondues, déterminés à suivre de toute oreille le message que leur a apporté Laurent Batumona, président national du mouvement de solidarité pour le changement. Parti politique allié à l'UDPS Tshisekedi. L'assistance a eu droit à la prestation de l'orchestre Bailo Canto de Redi Amissi. Laurent Batumona a fait son entrée sur le terrain et Concart au son de la fanfare. Dans son mot de bienvenue, le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa a invité tous les Congolais à se mobiliser derrière le chef de l'État et derrière les forces armées de la République pour bouter hors du territoire national les ennemis de la République démocratique du Congo. Trois points ont constitué l'adresse du président du MSC, Laurent Batumona, qui les résume en ce terme. Solidarité pour le changement, un allié incontournable du président Félix, vient de démarrer une croisade d'armement patriotique. Nous lançons le message que les jeunes sont appelés au drapeau pour défendre l'intégrité du pays. Nous allons engager toutes les grandes villes de la RDC. La crise, l'inflation que nous connaissons, c'est une inflation importée. Voilà pourquoi nous invitons le gouvernement de la République à redoubler les énergies pour que nous puissions passer à l'autosuffisance alimentaire. Enfin, c'est la cohésion au sein du parti. Pour que Félix, en 2023, puisse avoir la majorité parlementaire et peut compter sur le MSC. La manifestation, comme à son début, s'est clôturée par la prestation de l'orchestre Bailo Canto de Redi Amissi. Soutien aux FARDC et aux chefs de l'État, les forces républicaines fédéralistes du Sud Kivu disent non à l'agression de la RDC par le Rwanda. On écoute le président de cette structure au micro de nos reporters. Les forces républicaines fédéralistes FRF condamnent avec fermeté l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Groupe recréé pour raisons économiques et pillage des ressources minières. Les forces républicaines fédéralistes FRF soutiennent notre armée nationale, les FARDC, et demandent au gouvernement de mettre en place un budget spécial pour un équipement militaire approprié et adéquat à la hauteur de la crise. Les forces républicaines fédéralistes FRF soutiennent les volets diplomatiques pour essayer de trouver les solutions à la crise car la paix n'a pas de prix, comme signifié par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un conseil de ministres. Nous demandons à notre gouvernement de s'occuper de cette question tragique et de la régler rapidement, définitivement. Tout en saluant la décision prise par l'État congolais sur cette question, les FRF demandent des poursuites judiciaires pour mettre fin une fois pour toutes à cette situation qui brise l'unité nationale et détruit la cohésion sociale. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso, séjourne à Malawi pour présider les travaux de la SADC. L'arrivée du président de la Chambre basse du Parlement dans ce reportage de Sylvie Moimbo.
Du 14 au 18 août prochain, la République démocratique du Congo va abriter le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. À l'occasion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. En prélude de ce sommet, le speaker de la Chambre basse du Parlement et président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Christophe Mbosso-Kodiapwanga, est à Lilongwe au Malawi pour présider la 51e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Cette 51e session de l'Assemblée plénière qui s'ouvre ce lundi 11 juillet 2022 a pour thème vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la SADC. Nous nous sentons chez nous, tout comme nous considérons que le président de la République de Malawi est notre frère. Et nous allons bien nous entretenir des problèmes de la SADC. Problème de l'Afrique et des problèmes du monde entier. À la tête d'une forte délégation, le président de l'Assemblée nationale est accompagné de députés nationaux et sénateurs, notamment le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangoma Mossai. En sa qualité de chrétienne fervente, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, a initié une journée de jeûne et de prière pour soutenir spirituellement nos vaillants militaires au front. Ça sera le dimanche prochain. Et puis, elle a à cet effet réuni les hommes et femmes religieux, toutes tendances confondues. Suivez cela dans ce reportage de Angèle Mabiala. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées au front dans l'est du pays contre les forces ennemies. Elles ont besoin du soutien tant matériel que spirituel. Sur ce deuxième volet, la ministre d'État, en charge du portefeuille, chrétienne, diagonaise, Mama Kipendano, met à contribution sa foi chrétienne. Levez-vous, cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Elle s'est engagée à organiser une grande prière avec les hommes de Dieu des différentes confessions religieuses. Dans cette perspective, elle les a rencontrés pour des échanges relatifs à l'organisation. Nous allons prier ensemble. Cette souffrance, nos compatriotes sont en train de subir, nous fait très mal. Je voudrais que ça s'arrête. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perduré. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs. L'Éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Que les églises convergent pour une prière d'ensemble, en mode de jeûne et prière. Il s'agit ici de l'intérêt général de la nation et nous vous invitons à venir prier ensemble avec nous. Je voudrais inviter tous les salutistes, notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Convaincu que Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ce Dieu qui a accompagné Israël dans le combat contre ceux qui ont occupé ces terres autrefois, la princesse Adèle Kaïnda Maïna veut invoquer la grâce divine par une union des prières au stade de martyrs ce 17 juillet 2022 de 11h11 à 15h11 afin que le phare d'essai soit sous bonne disposition et qu'elle réussisse à imposer la paix dont notre peuple a grandement besoin, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Toute la population quinoise est conviée à prendre part à cette grande manifestation.
85% ou plus pour bénéficier de la bourse Excellencia. C'est le message de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui invite les finalistes des humanités à multiplier les efforts pour être sélectionnés, car, a-t-elle dit, la RDC a besoin de l'élite pour son émergence. On l'écoute. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remporter celle-ci et embrasser avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Le nouveau comité du Centre interdisciplinaire pour le développement CIDEP en sigle plaide pour le respect des attributions de ce centre universitaire. Son chargé des programmes, le professeur Mitundu Kidi, en a évoqué avec une équipe d'investigation de la RTNC conduite par Félix Zaloumetidondou. Le nouveau comité du centre interdisciplinaire pour le développement CIDEP prend à cœur la restauration de la vieille bâtisse coloniale. Coup de pinceau par ici, travail de maçonnerie par là. Le chargé des programmes parle d'un esprit de changement de mentalité et de revêtement des infrastructures dans un corps sain et salubre. Nous nous sommes dit, avec notre arrivée ici, ça doit être parmi les bâtiments les plus propres de l'avenir du 24 novembre. L'homme n'est pas loin de ce nouveau vent et zèle qui anime le comité de gestion du CIDEP. Le personnel est désormais au centre de toute action sociale pour redonner vie aux uns et aux autres sans discrimination. On doit maintenant faire de sorte que le besoin de la société soit adapté à la formation que le CIDEP va organiser. Le comité en place plaide aussi pour la rivalisation et le respect des attributions du CIDEP actuellement mise à mal par les entreprises publiques et institutions universitaires. De quoi fait-il appel à l'autorité de l'enseignement supérieur universitaire à écouter le professeur Ifemoutou Dikidi. Dans d'autres universités, dans d'autres institutions de l'enseignement supérieur, au lieu de laisser au CIDEP d'organiser la formation continue, vous verrez certaines institutions organiser les formations continues. Alors, c'est ça qui crée les difficultés. Les encouragements de l'autorité de tutelle sont plus qu'attendus pour renforcer le nouveau vent et le zèle, ainsi apporté à bras le corps par le nouveau comité de gestion du CIDEP. Et puis, les travaux de curage des quatre niveaux sont effectués sur la route nationale numéro 1, travaux exécutés par l'office de route. On en parle avec Eurydice Kitoudou. Pour prévenir les inondations et la dégradation souvent de la chaussée, l'Office des routes, à travers sa direction provinciale de Kinshasa, conduite par le DP Gilbert Bagoula, s'est résolu aux grands travaux de curage de caniveau sur la route nationale numéro 1, en allant de l'aéroport international de Djili jusqu'à Miteli. C'est ainsi que les interventions avec bitume sur le point dégradé de la chaussée ont été entamées. La RNM pose beaucoup de problèmes suite au manque de curage. Et c'est ainsi que nous avons jugé bon d'intégrer le programme de curage pour que
l'eau ne puisse pas stagner sur la chaussée. Nous avons colmaté les points à temps et les endroits où il y a de réparations profondes, on fait les renforcements de la chaussée avec les enrobés à chaud. Et ce, grâce au management du directeur général, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini, que le Trésor public a financé ce travaux. Sous la vigilance du bureau technique de contrôle BTC en cible. Nous sommes en train de tirer indirectement nos évacuations. Bon, les endroits, certains endroits que vous avez remarqué qu'on n'a pas encore évacué, nous le faisons notamment pour éviter les embouteillages. C'est un ouf de soulagement pour la population bénéficiaire qui espère ne plus vivre des inondations après ce travaux. Nous sommes vraiment très contents. Nous voulons que ça continue. Ainsi, un appel au civisme et de mise afin de préserver ses acquis. Au chapitre des ITPR toujours, la commune de Kimbanseke a une grande ouverture sur le boulevard Lumumba qui mène même à l'aéroport. Mais à l'intérieur de la commune, la traversée de la rivière pose des sérieux problèmes. C'est ce que nous dit Médar Mbouyal dans ce reportage. La commune de Kimbanseke figure parmi les communes les plus vastes de la ville de Kinshasa. Elle dispose aussi d'un poids démographique assez enviable. Cette position géographique expose cette partie de la capitale à divers problèmes sociaux. La carence des infrastructures complique la vie des habitants de certains quartiers, notamment ceux qui habitent Ngamanzita. Ici, traverser la rivière Tchenge apparaissait comme une équation à plusieurs inconnus. Mais quand on a des élus consciencieux, la solution est parfois à la portée de la main. Cette œuvre n'est pas certainement mienne, mais ça va rester gravé dans les têtes de tout le monde ici, qui n'aura plus de difficultés pour traverser. Et justement ça, nous avons pensé à notre population. Aussi, nous avons demandé à tous les jeunes gens, nous sommes les gens de Tchango. La Tchango, c'est regorge de courageux. Nous ne pouvons pas accepter qui est le Koulouna dans ce quartier. C'est pourquoi j'ai demandé aux jeunes gens d'abandonner ça, plutôt de reconnaître la place de Dieu et ensuite de reconnaître que seules les études amèneraient quelqu'un à s'épanouir. Si vous ne voulez pas étudier, vous serez toujours traîné par les autres. Et comme la ville de Kinshasa prend de plus en plus de l'extension, l'église s'adapte au contexte et améliore sa cartographie dans l'implantation des paroisses. Voilà pourquoi des responsables de l'archidiocèse de Kinshasa ont confié l'encadrement des chrétiens à une nouvelle entité, la paroisse Sainte-Faustine. La foi dans le Christ ressuscité se manifeste aussi à travers le service au prochain. La grève décrétée dans le secteur de la santé par les médecins du syndicat national des médecins SINAMED a déjà totalisé 5 jours déjà avec un service minimum. À la 5e journée, le SINAMED, à travers le secrétariat provincial de Kinshasa, a fait une journée d'évaluation de cette grève. Suivez cela dans ce reportage de Rodépanda. Lancée il y a 5 jours, la grève des médecins perturbe les services dans les hôpitaux publics. Les SINAMED, qui a décrété ce mouvement de grève, ne décolère pas. Après évaluation faite ce dimanche 10 juillet, lors de l'Assemblée extraordinaire, les SINAMED déplorent la position du gouvernement qui n'a pas réservé une réponse positive à leurs revendications. Le bureau exécutif provincial du SINAMED, ville-province de Kinshasa, informe à l'opinion nationale et internationale que la majorité de médecins des services publics de l'État de Kinshasa, membres du SINAMED ASBL, réunis en désassemblée générale extraordinaire ce dimanche 10 juillet 2022, a exprimé sa grande frustration en suivant le compte rendu du 61e Conseil des ministres tenu ce vendredi 8 juillet 2022 et a décidé à la majorité écrasante de radicaliser son mouvement de grève sous la forme polarisation des urgences à partir de ce mercredi 13 juillet 2022 à 7h30. La grève étant nationale, tous les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des sections et de ces conseils provinciaux extraordinaires sont transmis au bureau exécutif national
pour la compilation qui se fera ce mardi 12 juillet 2022. D'ores et déjà, le médecin de Kinshasa recommande au bureau exécutif national de rester en phase avec la base. Dans l'entretemps, les malades vont encore vivre des moments difficiles avec ces mouvements de grève endurcis. Les travaux de l'atelier de réflexion sur la redynamisation et la conservation du pouvoir de l'UDPS se sont clôturés à Kisanto pendant 3 jours. Les participants ont échangé sur les élections prévues pour 2023. Le compte-rendu de la deuxième journée avec Alain Bikaï. Travaux de réflexion sur la redynamisation du parti présidentiel se poursuivent en commission thématique. À la deuxième journée, les experts internes et externes de l'IDPS se sont succédés pour échanger et réfléchir sur l'avenir politique du parti. Un autre temps fort de cette journée était l'audition des rapports des différentes commissions mises en place. C'est le cas de la commission chargée du processus électoral et celle du monitoring et le suivi des mises en œuvre du projet de développement des 145 territoires. Pour s'assurer de l'inclusivité de cette rencontre historique, le secrétaire général Augustin Kabuya a mobilisé toutes les tendances du parti de Tshen Tshisekedi, représenté par Victor Wakunda, Jacquemain Chabani et l'ancien secrétaire général adjoint Guy Bao. Question de ramener l'unité au sein du parti pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. C'est dans un climat de convivialité et de fraternité que le secrétaire général a suspendu les travaux de la deuxième journée. Et pour terminer, sachez que le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalinga, a réceptionné un lot de véhicules Land Cruiser 4x4. Suivez cela dans ce reportage. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalinga, a réceptionné ce vendredi 8 juillet, au siège de cette institution à Kinshasa, un lot important de 18 véhicules de marque Toyota, Land Cruiser 4x4 pimpant neuf. À en croire le directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalinga, qui s'est fait accompagner de son adjoint, Christian Ombilongo, cette nouvelle acquisition de véhicules destinée essentiellement au renforcement des capacités de la production des entités provinciales va faciliter également la mobilité des agents afin d'accroître la collecte et la taxe de promotion de l'industrie, recette principale du FPI. L'événement est certes sobre, mais il demeure riche d'entrée de jeu. Le directeur du patrimoine et de la logistique, Willy Lokongo, présente au management de l'institution un échantillon représentatif de cette nouvelle acquisition qui vient agrandir les charrois automobiles du FPI. Et rien à ajouter, le directeur général AI rassure de la qualité de ces engins. D'abord, des instruments de travail et qui doivent permettre la production. La production, comme notre devise le dit, nous devons collecter plus pour financer mieux. Nous avons beaucoup de défis. Alors, je demande au directeur de la coordination de province à ce qu'ils transmettent à toutes les entités que ces outils soient utilisés en bon père de famille. Très satisfait, Jean-Claude Kalinga circonscrit les contextes ayant conduit à la matérialisation de ces projets. Du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Pour rappel, l'acquisition de ces lots de matériel roulant par le FPI fait suite à l'appel d'offres lancé au mois de septembre 2021, le marché public avait été remporté par les concessionnaires automobiles CFAO Motors.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe à la réalisation. Patrick Bapula, Papi Vouilé, à l'équipe technique Émile Zola, Alain Gallier, Barbosa, à Masselé, un journal coordonné par Jacques Abouaba, à Mukumina, à Sebouga. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30. Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.